Steven de Putter, van deze match hadden we heel veel verwacht. Dit is ontgoochelend nu. Ja, inderdaad. Ik denk dat je dat moet zijn ook na zo'n wedstrijd. Tegen een uitgekookte ploeg. Dat je op voorhand weet dat je eigenlijk niet mag achterkomen. En dan kom je in de eerste helft 0-2 achter eigenlijk op een manier die niet zou mogen. Fabien Antunes, een lourde défaite pour finir l'année civile. Quel est ton sentiment après ce non-match? C'est un sentiment un peu partagé parce qu'on prend 3-0 à domicile. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ce genre de résultat, surtout à domicile. Mais c'est un sentiment bizarre parce que j'ai l'impression qu'ils ont 3 occasions et qu'ils mettent 3 buts. En première mi-temps, ils ont 2 occasions, ils mettent 2 buts. Nous, on a quelques occasions. On n'a pas 20 occasions non plus, mais on en a quelques-unes, on n'arrive pas à marquer. Je crois que le gardien fait un arrêt alors qu'on a quelques belles situations. Wat scheelde er eigenlijk met dit STVV ten aanzien van begin van het seizoen? Begin van het seizoen was enthousiasme, sprankel, en dat moeten we nu zien terug te vinden. Ik denk dat het nu belangrijk is van goed uit te rusten, de hoofden leeg te maken, ook misschien een keer nadenken en dan een goede winterstage maken. En terug proberen die waarden terug te vinden. On s'y fait énormément de fautes, on a senti un petit peu d'agacement aussi dans les rangs. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de fautes. Pas toutes ont été sifflées, surtout il n'y a pas eu beaucoup de cartons jaunes, je trouve, pour le nombre de fautes qui ont été faites. Mais bon, ça fait partie du football, on ne peut pas se cacher derrière l'arbitre aujourd'hui.